Éric Zemmour is a French essayist, political journalist, and commentator. He will deliver pre-recorded video speech in French with subtitles. And his video is introduced here by Eric Tegner, a visiting Danube Institute fellow from France. Mr. Tegner is a French reporter and producer, founder of the conservative media Livre Noir, co-founder of the Convention of the Right, created in cooperation with Marion Maréchal and Éric Zemmour. It's a pleasure to introduce one of the most influential journalists in France today, called Éric Zemmour. You know, in the young generation in France, all the young journalists, young politicians, young activists, young reporters like me, make part of what we called Zemmour generation. I have a story about it. When I was in a boarding school, you know, the evening, the priest during the dinner might read a book. And us, we just might be silent. And one of these books was, during 1 year, the Éric Zemmour book. You know, in France, he was one of the first people who said stop to the immigration. On his video, it's very interesting because he talks about a subject that maybe you don't really have in the United States or in Hungary. It is a fact that about cancel culture in France, we have a kind of alliance between, you know, a progressive movement and political Islamist. I have an example. Last year, we had a big manifestation with Political Islamist Association with Jean-Luc Mélenchon, one of the most important politicians in France from the left. And he was just with the people, you know, who defend LGBT rights and so on. There is a kind of contradiction, and that's why he is explaining Éric Zemmour in this video. And at the end, and maybe we could talk about it, he talks about, you know, the peace opinion of the generals in France. I know that in Hungary we talk about that and about the fact that in France a lot of people begin to think a lot about the fear of a violent conflict in France, a kind of civil war, because of you know, the myth of integration of different populations. Bonjour. Bah écoutez, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je suis vraiment désolé d'être resté à des milliers de kilomètres de vous. Malheureusement, avec mon émission sur CNews quotidienne, je ne peux pas me déplacer ailleurs dans la semaine. Mais je suis vraiment de tout cœur et en pensée avec vous. Je pense que le sujet que vous allez aborder est essentiel. Il est majeur pour le destin de nos pays. Je voulais remercier vraiment John Sullivan et toute son équipe du Danube Institute qui m'a gentiment invité à intervenir et qui a eu cette idée absolument indispensable. Je voudrais aussi dire que j'aurais été ravi d'être avec vous, et en particulier avec mon grand ami Douglas Murray, que je salue aujourd'hui à distance. Nous sommes dans une situation dramatique où nous avons une convergence en fait entre une université et une classe intellectuelle qui se détourne de la France et qui passe son temps à invectiver l'histoire de France et le peuple français, et un changement de population qui est en train de transformer le pays profondément et de façon dramatique. Votre thème à tous, c'est, si j'ai bien compris, la cancel culture qui nous vient des États-Unis. Vous savez tous d'ailleurs que c'est pour nous Français un aller-retour, puisque ce sont des Français, la fameuse French Theory, tous les Derrida et Foucault et autres qui ont exporté vers les États-Unis cette idée de déconstruction, cette fameuse idée de déconstruction, qui est la volonté de, au départ d'ailleurs plutôt intelligente, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et de dire que tout peut être déconstruit et que rien n'est naturel, et qui est devenu évidemment une machine à détruire l'histoire, la culture, les racines et tout simplement les peuples européens. Donc, ça nous est revenu sur ce que les Anglais, les Américains appellent
la fameuse woke, la fameuse cancel culture. Qu'est-ce que c'est que la cancel culture? Vous avez bien compris que c'est effacer quoi? Bah, effacer tout ce qui rappelle ce que la France a été, ce que l'Angleterre a été, ce que tous les pays européens, occidentaux ont été, c'est-à-dire qu'ils ont été, selon la célèbre formule du général de Gaulle, des pays de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais accueilli d'autres personnes, mais comme le disait aussi le général de Gaulle, il fallait qu'ils fussent en infime minorité, sinon ce ne serait plus la France, ce ne serait plus l'Angleterre, ce ne serait plus l'Italie, etc. C'est là où, si vous voulez, nous vivons un moment absolument pathétique, qui est que l'intelligentsia contestataire, qui avait commencé en fait à dominer l'université, en tout cas en France à partir de 1945, car si vous, Hongrois, vous avez connu un pouvoir communiste, nous avons connu un contre-pouvoir communiste. Et nous l'avons connu entre 1945 et les années 60, à peu près les universités, les arts, le cinéma, même les films de télévision, tout ce qu'on appelait les compagnons de route étaient communistes. Et donc l'idéologie dominante était communiste. Et en plus, le général de Gaulle, pour des raisons de géostratégie, pour des raisons d'alliance tacite avec les Russes pour se détacher de la tutelle américaine, a laissé cette influence communiste se répandre dans l'université, dans l'école, etc. Et donc le discours marxiste, ou en tout cas le discours marxisant, dont vous voyez très bien les lacunes et les perversités, puisque vous étiez soumis, c'était uniquement un discours. Et un discours qui, évidemment, se parait des plumes les plus égalitaires, les plus fécondes, les plus charmantes, puisque c'était le rêve messianique de l'égalité, du bonheur pour tous et des lendemains qui chantent. Cette culture marxiste donc a imprégné les esprits et est à l'origine de mai 68, de la révolte de mai 68, puisque tous les étudiants qui se révoltaient étaient imprégnés par l'idéologie marxiste, mais qu'ils avaient retourné contre le stalinisme, contre le communisme traditionnel, en gauchisme que Lénine avait jadis pourfendu comme la maladie infantile du communisme. Mais là, ça revenait en force et ils ont réussi ce gauchisme qui était à la fois un égalitarisme économique et social et en même temps, à la grande différence du communisme stalinisme, du stalinien, mais qui ressemblait au communisme du début, c'était aussi un libertarisme. Il y avait un discours libertaire, un discours féministe, un discours qui reprenait d'ailleurs les tendances du tout début de la Révolution, avant que Staline verrouille et tout ça et n'envoie tout ce petit monde au goulag. C'est la deuxième période dans l'université, dans les médias, parce que si vous voulez, le transfert se fait assez facilement, université, école, médias, et aussi justice, tout ce petit monde a le même baigne dans le même bain culturel. Et ce bain culturel, à partir des années 70, devient un univers post-marxiste, un univers gauchiste, un univers libertaire, un univers anti-patriotique, contrairement aux communistes qui avaient quand même une culture patriotique acquise pendant la résistance, pendant la guerre. Donc ces gens-là étaient internationalistes, le symbole évidemment étant le plus célèbre étant Daniel Cohn-Bendit, anti-patriote, anti-national, également anti-patriarcal, également favorable à toutes les émancipations de toutes les pseudo-victimes, c'est-à-dire femmes noires, peuple colonisé, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est à partir des années 70, années 80. Ces gens-là vont prendre le pouvoir dans les années 80, ils vont prendre le pouvoir, ils l'avaient déjà, pouvoir universitaire, ils vont prendre le pouvoir dans les médias. Canal+ sera le symbole de ce pouvoir médiatique
qui va encore plus endoctriner les esprits et qui va se répandre dans toute la société française. Et nous arrivons alors à cette troisième période que l'on appelle justement les woke, la cancel culture, etc., qui est l'aboutissement, en vérité, de ce long itinéraire. Et qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que on ne se contente plus de rejeter la patrie, de rejeter la famille, de rejeter le père, l'homme. Maintenant, on veut les détruire. C'est la dernière phase, tout bêtement. Et là, on dit, tout doit disparaître. C'est une espèce de grande lessiveuse. On ne se contente plus de les contester, on ne se contente plus de s'y opposer, de les insulter, de les moquer, de les tourner en dérision en permanence. Ça, c'est le schéma des années 70. Aujourd'hui, on veut les effacer, cancel. On veut les détruire, qu'ils disparaissent de la Terre. Et là, on voit bien, il faut faire disparaître de l'histoire de France. Il faut passer son temps à inventer une autre histoire de France. Dans les livres d'histoire, il y a moins de place aujourd'hui pour Robespierre que pour la féministe Olympe de Gouges. Il y a Napoléon est contesté au nom de sa fameuse rétablissement de l'esclavage qu'il n'a pas vraiment rétabli et qui ne faisait absolument pas à l'époque quelque chose de très important. Vous voyez, tout est comme ça. On détruit les statues de Colbert parce qu'il a le fameux code noir de l'esclavage. On détruit les statues de De Gaulle, de Churchill, de Napoléon parce qu'ils sont soi-disant des suprémacistes blancs racistes. Là, il y a on est passé à la troisième phase. Exactement comme les communistes, ça je pense que ça va parler à nos amis hongrois, les communistes ont tué les bourgeois et avant de les tuer, ils les ont détruits symboliquement et idéologiquement. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que le bourgeois est remplacé par l'homme blanc, hétérosexuel, catholique, le peuple français. C'est le peuple français qui doit disparaître et en particulier les hommes blancs hétérosexuels. Et c'est là que, si vous voulez, l'idéologie rencontre la démographie, c'est-à-dire que depuis 40 ans, nous avons accepté, nous avons même encouragé pour nos élites une immigration venue du sud de la Méditerranée, qui est pour la plupart de culture arabo-musulmane. On nous a expliqué dans un premier temps que c'était négligeable, que le nombre était négligeable, que ça ne changeait rien, qu'on avait toujours eu des émigrés en France. Puis on nous a dit que l'islam était une religion d'amour et qu'il était tout à fait cohérent et compatible avec la République française et la civilisation française. On nous a dit ensuite que de toute façon, il n'y avait pas plus de racines chrétiennes que de racines musulmanes à la France. Et puis maintenant, on nous dit tout simplement, c'est comme ça et pas autrement. Jean-Luc Mélenchon, après avoir nié la réalité de cette immigration et des transformations colossales que ça allait entraîner et que ça entraînait déjà, nous explique benoîtement que c'est comme ça et que la France serait métissée à 50% en 20 ans et qu'il appelait ça une société créolisée. D'où sort-il ce nom ? Ça, on a fait des recherches pour trouver, c'est paraît-il, d'un poète, Édouard Glissant, qui nous c'est une théorie à la noix, qui explique que la créolisation, c'est l'association des cultures, mais qu'il n'y en a aucune qui prend le dessus, comme si on le croyait. Comme si ça ne s'était jamais arrivé dans l'histoire, ça. Qu'il y avait des cultures qui cohabitaient gentiment. C'est bien connu, le loup cohabite gentiment avec la biche et il lui fait des caresses. D'ailleurs, la biche est très contente parce que ça lui change du mâle biche. Voilà, c'est ce genre de chimère, de ce genre d'utopie ridicule qui serait que comique, qui serait que grotesque si, justement, ça ne provoquait pas des drames et des souffrances de la part du peuple français. Je veux dire d'abord des vols, ensuite des violences, ensuite des viols sur les jeunes femmes, ensuite des meurtres, et puis une occupation petit à petit de territoires de plus en plus importants où évidemment la culture française s'efface, la civilisation française s'efface à la place d'une autre civilisation qui est portée par ces gens qui sont majoritaires dans des coins de plus en plus nombreux, et qui est la civilisation arabo-musulmane. Tout simplement parce que, comme disait Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Et bien là, nous avons une nouvelle religion et une nouvelle civilisation qui s'agrège autour de cette civilisation qui s'agrège autour de cette religion. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous avons une alliance entre
qui paraît complètement d'ailleurs incohérente, qui paraît complètement improbable, entre les premiers dont je vous ai parlé, les post-marxistes, qui sont des libertaires, qui sont pour l'émancipation des femmes, qui sont pour l'amour libre, comme on disait dans les années 70, qui sont pour la liberté de tous et de chacun, la liberté sur tous les plans, l'individualisme absolu qui ne respecte aucune limite, aucune contrainte, et une religion qui, justement, est l'absolue antithèse. L'islam veut dire soumission. L'islam ne connaît pas l'individu, ne connaît même pas la personne au sens chrétien du terme, c'est-à-dire qu'il ne connaît que le groupe soumis à Allah, soumis à la loi de Dieu qui descend du ciel et qui s'impose à chacun, que chacun n'a même pas le droit de discuter, n'a même pas le droit de contester, n'a même pas le droit de commenter. Ils sont là pour obéir. Et cette alliance se fait uniquement parce que les premiers considèrent que les seconds sont un peuple victime, un peuple prolétaire, qu'ils ont remplacé les ouvriers français comme peuple prolétaire, et accessoirement parce qu'ils pensent que ce nouveau peuple prolétaire sera enfin le peuple, eschatologique, c'est-à-dire le peuple révolutionnaire qui accouchera de la grande révolution qui a été ratée par le messianisme communiste, en tout cas dans nos pays. Et cette alliance, que moi je compare à une espèce de pacte germano-soviétique, parce qu'il y a, vous voyez, ils n'ont rien en commun ensemble, est en train de prendre la France et le peuple français et sa tradition et sa civilisation en étau pour détruire son adversaire commun, c'est-à-dire la France. Après, évidemment, vous savez, ça sera comme en Iran. Les communistes ont aidé Khomeini à chasser le chat et après, ils ont tous fini dans les prisons et ils ont tous fini fusillés. Auparavant, je pense que la France aura disparu. Et c'est, si vous voulez, cette situation-là commence à être comprise par la plupart des gens. Nous avons des sondages de plus en plus qui nous expliquent qu'il y a un bloc de 70% des Français qui rejettent cette immigration, qui rejettent cette situation, qui rejettent cette islamisation, qui a bien compris ce qui se passait. Et c'est dans ce cadre-là qu'arrive, après d'innombrables meurtres, hein, je parle de l'égorgement de Samuel Paty, il y en a tellement d'autres, ça nous arrive tout le temps, et ça, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, parce qu'il faut voir tout ce qui se passe en dessous, tous ces meurtres, tous ces viols, toutes ces violences gratuites, comme on dit maintenant, selon une expression incroyable, et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaît la fameuse tribune des généraux, qu'évidemment, immédiatement, la gauche, le gouvernement hurle à la tentative de putsch, ce qui est complètement ridicule. On n'a jamais vu des généraux, quand ils font un putsch, prendre leurs plumes et écrire. Non, ils prennent leurs fusils et ils attaquent le centre du pouvoir, que ce soit le Parlement ou l'Élysée. Là, ils ne font rien de tel, évidemment. Ils décrivent simplement la situation et ils disent « Attention, la guerre civile n'est plus si loin. Dans ce cas-là, nos camarades qui sont en activité devront rétablir l'ordre et devront sauver le pays. » C'est une situation qui est tout à fait prévisible et qui est de plus en plus probable. Mais évidemment, vous savez, il y a une vieille formule en France qui est de l'écrivain Champfort du XVIIIe siècle qui disait « En France, on persécute ceux qui sonnent le tocsin et on protège ceux qui mettent le feu. » La France n'a pas changé pour ça. On est toujours là. Et ce qu'il faut bien que les Hongrois comprennent, c'est que le grand paradoxe de l'histoire de l'après-guerre, c'est que vous avez subi le joug communiste, qui a été terrible, qui a été liberticide, qui a été, en plus, qui vous a appauvri, qui vous a empêché de vous développer pendant 50 ans, mais, paradoxalement, qui n'a pas entamé votre unité, à la fois votre unité ethnique et, je dirais même, votre unité culturelle. Nous, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de la liberté individuelle, collective, on a bénéficié du progrès économique et donc social, mais à partir des années 70, nos élites ont détruit consciencieusement notre unité à la fois ethnique et culturelle. Et nous sommes complètement à front renversé aujourd'hui, nous n'avons absolument pas la même histoire récente et donc nous n'avons pas la même réaction face au danger de mort qui nous guette. Vous avez failli mourir. Et donc, vous savez qu'il faut vivre et ce qu'il faut faire pour vivre. Nous n'avons pas eu cette menace pour notre survie et on ne comprend pas
qu'on peut et qu'on va mourir si on ne fait rien de décisif dans les années qui viennent. En fait, nous sommes dans une course face au temps et face à la démographie. Les Américains disent le destin, c'est la démographie. Nous sommes aujourd'hui, même l'INSEE reconnaît que nous avons, je crois, 44% de notre solde naturel qui est provoqué par l'immigration, et une immigration essentiellement arabo-musulmane. Donc aujourd'hui, nous devons prendre des mesures d'urgence. En fait, nous devons sauver le pays presque malgré ses élites et grâce au peuple, grâce au soutien du peuple. Et donc il y a des mesures à prendre d'urgence, c'est-à-dire évidemment arrêter d'abord tout flux migratoire, supprimer toutes les possibilités qu'ont les immigrés de faire venir d'autres immigrés, car aujourd'hui, vous n'imaginez même pas ça en Hongrie. C'est-à-dire que l'État n'a plus le contrôle de l'immigration. Ce sont les immigrés eux-mêmes qui décident qui ils vont faire venir, car nous leur avons donné une série de droits qui leur permettent, protégés par le juge, qui leur permettent de faire venir qui ils veulent. Leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs femmes, leurs cousins, leurs cousines, leurs sœurs, etc. Tout le monde peut venir s'installer, se faire soigner, etc. Et on peut devenir français en étant une femme voilée, on peut devenir français après avoir un casier judiciaire, tout est possible, tout est possible. Et donc il faut d'abord arrêter ça. Ensuite, il faut évidemment arrêter ce qu'on appelle en français les pompes aspirantes, c'est-à-dire toutes les allocations sociales que ces étrangers viennent prendre. Il faut évidemment les limiter aux Français. Puis il faut une série de mesures comme ça, qui est par exemple la suppression du droit du sol. En France, c'était pour, vous savez, dans le cadre de notre lutte séculaire contre l'Allemagne, les Allemands faisaient beaucoup plus d'enfants, et donc nous avons créé ce qu'on appelait le droit du sol, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissent en France, même de parents étrangers, sont français. Évidemment, on voulait des soldats contre l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre à l'Allemagne, il faut supprimer tout ça. Ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que nous avons des millions de Français malgré eux, de Français qui détestent la France. Nous avons inventé une nouvelle catégorie juridico-politique. Les Français qui détestent la France. C'est nouveau. Avant, c'était trois intellectuels, c'était Aragon, c'était très chic. C'était une espèce de coquetterie de grands écrivains. Et aujourd'hui, nous avons des millions de gens qui, comme ça, qui sont français de carte d'identité et qui disent « Ah mais non, mais moi, je déteste la France. » Et donc, tout ça, c'est tout ça qu'il faut reprendre. Et nous avons une très, très lourde tâche, comme j'aimerais que les Hongrois nous aident dans cette tâche. Je crois que eux, ils ont évité tous ces écueils. Ils peuvent nous donner des sages conseils que nous écouterons volontiers. Donc, il faut d'abord arrêter les flux. Puis, il faut reprendre tout à la racine, c'est-à-dire refaire des Français. C'est faire ce qu'a fait la Troisième République, faire des Français. Et en France, on fait des Français par l'école, par la culture, par l'histoire. Et évidemment, on voit bien là le conflit direct avec cette cancel culture. Cette cancel culture, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit l'histoire de France est une série de crimes et il faut l'effacer. Évidemment, pour devenir français, il ne faut pas effacer la cancel culture. Il ne faut pas effacer l'histoire de France. Donc, il faut effacer la cancel culture. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à mort entre eux et nous. Donc, il faut absolument se débarrasser de cette cancel culture. L'État doit prendre des mesures radicales et fermes. Nous avons un conflit décisif et nous devons le gagner. C'est une lutte terrible, mais nous sommes avec votre conférence au cœur de l'avenir de nos pays et en particulier de la France, qui est le pays le plus exposé, le plus en danger de mort de toute l'Europe. La France, je pense que tous les Européens doivent regarder vers la France parce que le sort de l'Europe se décide en France. Si la France tient, l'Europe sera sauvée. Si la France s'écroule, ne croyez pas que vous échapperez au sort de la France. Toute l'Europe basculera dans l'islamisation. Rod, we just heard Eric Zemmour talking about, you know, the peace opinion from the generals in France on the thing that we could have a kind of violent conflict, maybe a civil war. You were in Paris just last weekend. How did you feel the situation? Yes, you know, I was in Paris for a week and spoke to a number of people, informed observers, as well as just ordinary people, people who are my friends. And I asked them about the question of civil war in France. It seems completely crazy to me as an American.
But they all said, yes, yes, this is something that's very real, but it would not be a civil war in the sense, the classic sense of two armies against each other. It would be the suburbs exploding. I heard from several people that the army knows, the French army knows, and French military, French armed forces and police know that they do not have the personnel to control a simultaneous explosion in the suburbs everywhere, and that it could go off at any minute. So the French are in this very strange situation, it seems to me, where nobody knows how to stop it. Nobody knows how to change the conditions in France to prevent this from coming. Everyone seems almost resigned to the fact that this is going to happen and we don't know what we're going to do when it does. And for me as an American who's concerned about cancel culture and wokeness, I was in France actually promoting the French edition of my book, Live Not by Lies, Résister aux Mensonges in French. It was striking to me because one of the things in the US that we deal with cancel culture is a hatred of religion, of an attempt by the left to suppress religion. But in France, you know, this, as you certainly well know, our viewers may not, it's a completely different thing because the religion that people are afraid of is Islam, militant Islam. But they can't seem to find a way, the French, within French, the structures and the rhetoric of French society, to suppress Islam without also suppressing Christianity and Judaism. So it seems to me that the French Republic is tying itself up in knots to avoid having to face the fact that its universalism, in the case of Islamic members of that society, has failed. You know, we just heard a conversation with Douglas Murray, who explained that finally people who are against cancel culture or against immigration are often, you know, taxed of racist and so on. It's a bit the same thing with Eric Zemmour. And in the same time, we see that, you know, today he animates 1 hour by day, a big talk on CNews with almost 1 million people watching him during 1 hour. It's quite big. Do you have the impression that a bit like those who watch Eric Zemmour at the TV, there is a kind of conservative elite in France who is opposed to this problem? You know, I know that you met colleagues of Eric Zemmour from Le Figaro. Do you have the impression that there is only a progressive elite in France, or is there a future, you know, in this conservative movement? Well, you know, if I understand your question, you're asking me if do I see the a potential resistance following Zemmour's example. Absolutely, there is. I met with some of them, leading journalists in France, and they're very concerned, and they're becoming more and more outspoken. But they say they have the same problem in France that we have in the United States, which is that the left controls all the main institutions, not only in media, but the universities. I talked to someone who's a student at Sciences Po, which, as you know, is one of the leading higher education institutions in the country, where French elites are formed. And he said that it's collapsing over there. Wokeness is rolling through all the departments there. And it's terrifying to them. They don't know where to turn. And I think that one of the things they were talking about is, will Marine Le Pen from the former National Front, now called the Rassemblement? Yeah, Rassemblement. Yeah. Whether Marine Le Pen, former far-right leader, will become president at the next election, most people don't think it's possible. But wokeness is moving so fast and alarming so many people that we could see, I think, a Donald Trump-like effect, and Marine might actually get elected. I think it's unlikely, but people are becoming more and more alarmed, and that's my impression, by what's happening in France. And if the suburbs, if there is violence in the suburbs, of course that will help her. Yes, I have just a number, you know, to finish, to end this. We have in France 71% of the population which is opposed to the immigration. And in the same time, we always elect people from the left. It's our contradiction. I think a bit, as said Eric Zemmour, that it's a huge problem for Europe. If France doesn't go to the right, we couldn't reform Europe.
Yeah, I think Eric Zemmour reminds me of the American example, Tucker Carlson, on the Fox News host. He's the most popular host in America on American political television, and some people would like him to run for president because he can say exactly what people are thinking and say it very clearly and forcefully, much more forcefully than any politician. I was at a dinner party my last night in Paris with some senior political journalists, and one of them said, we may see Zemmour run for president one day. Yeah, it's true that there are a lot of, you know, words in the press explaining that maybe Eric Zemmour could run the presidency, because our problem in France is that there are a lot of people on the right, on the conservative movement, who don't want to vote for Emmanuel Macron, and who don't want to vote for Marine Le Pen. That's our huge problem today. Did you feel the same thing with people that you meet, you know, people who are just a bit lost politically? Yeah, absolutely, especially among the young. And it causes a sense of despair. Everyone seems to feel that a second term for Macron is inevitable because Marine Le Pen is still too unacceptable. But the problem is La France périphérique, the France beyond the elite cities, no one knows what they're going to do. These are the same people we called in America the deplorables. Hillary Clinton described them, the people from deep America, from La France profonde. Gilets jaunes in France. Yeah, exactly. We still don't know what they're going to do. And it seems like we are in an extraordinarily unstable time in the Western democracies now. And I agree with you that if France should fall in some sense or should surrender itself to the Islamists and the progressives, then it's going to affect all of us. Thanks, Rod, and thanks, Eric Zemmour, and the Danube Institute for this wonderful event.